Bon, t'as été acclamé en plus par tout le public là. Ouais, ça fait chaud au cœur, vraiment, c'est quelque chose de ouf, vraiment. À mon âge, surtout du ça, c'est un truc de ouf. Bon, vous pouvez pas rêver meilleur départ que ce soir, 15-0. Vous avez vraiment atomisé cette équipe de Chalon, vous les avez pas laissé respirer, est-ce que c'est ton sentiment? Ouais, ouais, c'est clair qu'on n'a pas laissé. On ne s'est pas laissé presser, on a essayé de jouer notre jeu, c'est ce qu'on a fait et ça a réussi, mais faut pas croire que ça va être facile tout le long de la saison. Il faut directement reprendre le jeu et continuer. Et on espère gagner samedi prochain. Qu'est-ce qui a vraiment bien fonctionné ce soir? Je dirais la cohésion d'équipe. Ça a joué bien en cohésion d'équipe, on se faisait des bonnes passes, ça parlait sur le banc. Il n'y avait pas trop de pénalités en soi, je veux dire, ça jouait vraiment en cohésion d'équipe, je trouve. Bon, qu'est-ce qui vous attend désormais comme déplacement? Très bonne question. Il y a eu cette belle victoire 8-1 à Wascal, la 15-0, ouais. vous déroulez. Difficile de juger encore le niveau de cette D2. Oui, après je pense qu'il y a encore des équipes qui ont plus le niveau entre guillemets et qui joueront beaucoup plus fort que d'autres. Donc faut pas se laisser aller et continuer à travailler. Vous serez attendu quand même, hein. Vous êtes un épouvantail en quelque sorte de la poule. Oui, on a attendu, alors c'est à nous de montrer qu'on a le niveau et qu'on va tout faire pour gagner cette année.